aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Soyons clairs, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés. À mon sens, ce n'est pas plus dangereux que l'alcool. Non, c'est dangereux. C'est dangereux, et notamment quand c'est pris à haute dose. Vous avez fumé du cannabis ou déjà, Emmanuel ? Jamais. Ça m'est arrivé d'avoir fumé peut-être une fois, mais... Didier Paris, bon, je ne vais pas vous demander si vous avez déjà fumé. Vous avez déjà fumé. Rappelez-vous. Il y a longtemps, alors. Bon. À un moment donné, si on ne légifère pas sur le sujet, de toute façon... Faut arrêter l'hypocrisie. Et attendez, on est le pays le plus consommateur de psychotropes légaux. D'accord. Ce qu'on propose dans le livret sécurité, c'est de légaliser la consommation du cannabis, mais aussi la production et de l'encadrer par l'État. À un moment donné, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie qui fait qu'en France, on a le régime le plus prohibitionniste d'Europe, ça c'est sûr, peut-être même du monde. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de travailler à une loi qui vient encadrer la production. Voilà la réalité de ce qui se passe notamment aux Pays-Bas. Et là-bas, il y a beaucoup moins de fumeurs en proportion de la population, y compris chez les jeunes. Et il y a beaucoup moins de délinquance et on est en train de fermer des prisons parce qu'on est en train de les vider. Alors vous voyez, Madame Le Pen, peut-être que ça vous ferait pas de mal. Ok. Bon, alors, je teste plein de nouveaux réglages. Bon, mon fond vert, c'est pas encore ça. Je suis beaucoup plus net qu'avant. Mais ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Vraiment, j'essaie de modifier les trucs, les chatbox, les machins, les trucs. Mais bon, c'est une catastrophe. J'ai eu beaucoup de trucs à gérer aujourd'hui. Sarkozy m'a pas aidé. C'est clair. Alors, attendez, parce que. Bon, vous voyez que l'incruste est pas ouf, hein. Voilà. Elle est pas ouf du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un petit réglage en direct. Oui, merci. Mais vous êtes gentil. Je sais que je suis beau. Je voulais mettre des petites feuilles de chanvre indien sur mon visuel. Et puis, en fait, non. Bah, de toute façon, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, comme vous le savez, c'est surtout... qu'on parle de la légalisation du cannabis et qu'on joue à Witchcraft. Bon, alors, je vais essayer de modifier le filtre. Bah, du coup, ça mouline. Il veut pas me modifier le filtre Streamlabs. Ah bah, ça commence bien. Est-ce que le son est bon? Non, parce que c'est important, ça, pour moi. J'ai pris un autre petit micro. J'ai pris des beaux petits écouteurs. Ouais, je suis un peu gris. Bah, je sais, je suis un peu gris. Je suis un peu grisonnant. Mais du coup, il veut pas que je modifie les filtres en direct live. Salaud. Hein, il mouline. Alors, parce que j'ai acheté un super éclairage que je peux régler, dont je peux régler la chaleur en direct depuis l'ordinateur. Ouais, il est une lumière connectée. Alors, est-ce que si je change la chaleur de la lumière, est-ce que ça fait une meilleure image? On va tester. Bon, c'est un peu plus chaud, un peu plus jaune. Et si je baisse la luminosité, est-ce que ça marche mieux pour le... C'est pas mal, là. Bon, on voit qu'il y a un cadre, l'incruste, elle est pas ouf. Il va falloir que je travaille mon fond vert. Un petit écho. Bah ouais, moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit écho, mais je comprends pas pourquoi il y a un petit écho. Pourquoi il y a un petit écho? C'est un truc de dingue, ça. Ah ouais, bah, je sais pas. Alors j'ai acheté plein de nouveaux trucs. Donc là j'ai une belle caméra. Alors du coup c'est un truc que quand c'est, vous voyez, c'est flou. Bon, là on voit ma main, ça fait une incruste dans ma main. Donc la netteté, elle est environ à ce niveau là. Donc faut pas que je m'approche trop près, sinon je vais être flou comme ça. Enfin bon, mais en tout cas c'est un truc top qualité plus. Ça promet pour l'avenir, dès que j'aurai appris à maîtriser tout ce bazar, toute cette pagaille. Bon, alors
C'était mieux avec la lumière chaude. Bon, on fait un vote. Faut-il une lumière chaude? Ça peut être rigolo. Chaude ou pas chaude? Alors, on va voir. Non, mais c'était l'incruste. Ah, reviens-toi. Pas notre contrôle. Ouais. Bon, là, j'ai mis maxi chaleur. Et peut-être mettre maxi luminosité pour que ça rentre bien. Bon, la netteté est pas... Bon, le piqué d'image est bon, mais la netteté est pas ouf, je trouve. Alors, c'est normal qu'on voit le bleu dans mon siège, parce que c'est un truc transparent, donc ça veut dire que c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Là, on n'est pas trop mal. C'est pas vilain. On est bon. Alors, Deg, il n'y a pas Witchcraft sur mobile. Ouais, bah, je sais pas s'il faut être Deg ou pas. Alors... Bon, que je vous explique un peu. J'ai mis des messages automatiques. Là, il y en a un qui vient de passer, Nightbot, qui vous permet de retrouver tout ce qui est sur la mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Donc, c'est une mission d'information qui a été lancée par La République En Marche, pour une fois. Bon, je reviens juste vite fait sur les trucs un peu rigolos. Ils lancent une mission d'information, ils font croire à tout le monde. Il y a eu des interviews de Caroline Janvier, etc., qui gère notamment la partie sur le cannabis rétroactif, à Newsweek, je crois, sur le média en ligne, à Newsweek, qui nous dit il y a un réglage du contraste peut-être. Oui, il faudrait que je règle le contraste, il y a plein de choses à régler. Je vous prie d'être tolérant, SVP, et là, faire le réglage en direct live, c'est un peu, je vais dire que c'est compliqué, mais... C'est un peu la misère parce que en fait, je viens de découvrir le matériel. C'est du Black Magic là, un truc qui marche vachement bien. Du coup, je suis un peu verdâtre, j'imagine. C'est ma lumière là. Qu'est-ce qui me... Bon. Bon, on verra. C'est mieux que Gabriel Attal quand même. Bon, moi, j'ai pas des moulures plâtre en or et tout machin, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je vais fermer ça. Donc, vous dire voilà, la mission d'information, pardon. Donc vous avez le lien et Caroline Janvier, qui est une des députées LREM qui pilote ça, en fait dit ouais la légalisation pourquoi pas. C'est pour ça qu'on a mis la petite vidéo tout à l'heure là qui vous fait un petit récap. Alors nous notre position qui n'a pas bougé depuis la présidentielle et celle de d'Emmanuel Macron qui a semble-t-il un peu évolué puisqu'en fait le dernier acte politique qu'ils ont posé en réalité. C'est l'amende forfaitaire. C'est-à-dire que vous pouvez payer 150 balles ou 200 balles, je ne sais plus exactement en fonction de si vous payez tout de suite ou pas, qui vous permettent d'éviter d'être poursuivi en justice pour usage simple de stupéfiants. Ce qui est. Alors, certains ont dit oui, mais c'est quasiment légalisé, parce que si vous avez les 200 balles... Alors, en fait, non, c'est que si c'est un premier usage, si vous n'avez pas d'antécédent avec la justice, enfin bref, il y a plein de critères, ce qui fait que les policiers, en fait, ne l'utilisent pas si souvent que ça quand ils y sont confrontés. Et deuxième point, dans bien des cas, quand vous étiez pris pour usage de stupéfiants, je dis bien usage, hein, notamment sur le cannabis, en fait, en réalité, vous alliez devant le tribunal et vous vous en sortiez avec un rappel à la loi, éventuellement une injonction de soins et souvent 0 €, en fait. C'est ça que la justice faisait jusqu'à présent, parce qu'ils disaient, c'est bon, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Donc là, on passe de 0 € rappel à la loi, injonction de soins, à pas d'injonction de soins, enfin pas de question, alors je suis pas fan de l'injonction de soins non plus, on pourra en discuter, mais en gros, il n'y a plus le côté sanitaire et vous payez 200 balles. Donc, par certains égards, c'est plus répressif. La situation actuelle d'aujourd'hui est plus répressive que ça ne l'était avant. Et donc, après, il nous dit « Ah, on va légaliser !» Bon, donc, mais enfin, bon, après, s'ils nous le proposent, s'ils disent « Oui, on y va !» Mais en fait, je crains qu'Emmanuel Macron en fasse juste un argument de campagne pour 2022. « Oui, si vous revotez pour moi, pour le public jeune, hein, et ben comme ça, peut-être que vous pourrez obtenir... Enfin, il vise cet électorat-là, quoi. Bon, tu vois, c'est quand même un peu limite, quoi. C'est quand même très, très limite, même. Bah ouais, 150 balles, c'est violent. Ça dépend pour qui, quoi, mais c'est violent. Pour quelqu'un, pour la masse des gens, ouais, c'est violent. Surtout que je vous rappelle que la consommation, elle est... attendez, mon chat, il est fort gros, je trouve. J'ai fait des réglages, mais j'ai pas...
J'ai pas checké ça correctement. C'est pas bien ça. Alors attendez, je vais virer ce truc-là. Voilà. Comment puis-je faire pour faire que mon chat soit moins gros? Eh bien, il faut que je règle la chatbox. Paramètres visuels. Paramètres de police. Eh bien, on va diminuer la taille de la police. En mettant 15. Allez, terminé. Allez-y, réécrivez, parce que là, ça a blanchi le chat, à défaut de blanchir le trafic. J'essaierai de pas faire trop de blagues hein, ce soir. Enfin, j'ai le bras long pour être dans la netteté. J'ai pas réussi à bien régler la netteté, et je peux pas la régler, parce qu'en fait, il faudrait que j'aille... Ah, merci, Hortom. Alors, j'ai remis aussi la petite alerte pour ceux qui me suivent sur la chaîne, avec le petit son. La République, c'est toi. Et c'est d'actualité. comme quoi, il y a des trucs comme ça dans la vie, il y a des boucles qu'il faut. C'est mieux là pour le chat. C'est trop petit peut-être là maintenant. Non? Ou c'est trop petit? Peut-être trop petit maintenant. Non, c'est bien? Bon, allez, ouais, pour les vieux, ah, mais faut penser à tous les publics, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, alors, du coup, comment je vais faire mon truc? Comment je vais faire mon machin? Me v'là. Mais ça, c'est pas ça qu'il faut. On va virer ça. Bon. On va discuter pendant que je vais jouer, et je vais jouer à Witchcraft Inc. Et j'arrive pas à régler ce fichu machin de webcam. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je vais l'intégrer ici. Je comprends pas pourquoi Streamlabs me fait des misères. Il veut pas que je fasse le réglage en direct live. Alors je l'ai fait il y a 2 secondes quand vous aviez que la page de. Merci Postige 31. Où est-ce qu'elle est? Quelle misère. Il m'est arrivé plein de trucs aujourd'hui, puisque je sais, je suis chef de file aussi pour les régionales dans les Hauts-de-France. Et du coup, j'ai eu plein de trucs à régler là-dessus. J'ai encore une réunion ce soir sur le sujet. Enfin bref. Voilà. J'ai eu le truc de Sarko, donc j'ai plein de journalistes qui m'ont appelé pour faire des réactions, tout ça. Bon, c'était assez pénible. Et mais du coup, il fait quoi? C'est tout moche, là. En fait, je suis tout vert, en fait. Et donc on va jouer à Witchcraft. Ouais, moi aussi, j'ai une réunion ce soir. Et alors, donc je l'ai téléchargé. Merci, Clem. J'ai téléchargé Witchcraft et je me suis retenu. Je n'y ai pas joué. Voilà. J'y ai pas joué, j'ai fait des gros efforts. Peut-être si je recule le fond, non? Ou si je le tourne un peu plus. En fait, là, je bouge le fond vert que vous voyez pas trop, parce que ça fait des reflets un peu. Tenter un truc. Ouais, bof. Moi, ça fait une ombre. Bon, ça fait une ombre projetée. Non, c'est pas vilain, en fait. En fait, c'est pas vilain. Donc, je me suis retenu de jouer à Witchcraft. Je l'ai téléchargé et j'ai pas lancé le jeu. Donc j'en sais rien ce que ça vaut, je sais pas comment ça marche. Je vais découvrir avec vous. Il paraît de ce que des petits commentaires qu'on m'a fait, j'ai lu quand même hein, sur Twitter, machin, quand j'ai dit que j'allais jouer à Witchcraft. Plein de gens m'ont dit ouais c'est pas complètement la ligne parce que c'est de la culture industrielle, etc. Alors j'ai l'impression qu'on fait pousser le cannabis. En mode vraiment industriel, bah, c'est pas du bio quoi. On va pas fabriquer du bio ce soir, donc ça c'est pas complètement la ligne. Mais Hugo a-t-il déjà fait son imitation de Sarkozy partant en zonzon? Non, mais du coup je l'ai pas. Il a rien dit. Enfin, il a pas fait de déclaration, je crois pas. Hein. Bon, il est bleu le fond. Oui, non, mais en fait, il y a un fond vert, mais mon fond, il est bleu. Ouais, bonne remarque. Alors, attendez, je vais lancer le jeu. Comment je vais faire ça? Parce qu'il faut que...
Merci Lorenzo Gros 24 de me suivre. On fera un petit défi, un de ces quatre, pour passer devant Gabriel Attal, là, qui a 6000 followers sur Twitch, je crois que j'ai vu avec son live Twitch. Ce serait bien qu'on le dépasse à l'occasion. Mais pour ça, il faut que je trouve des gens à inviter, faut qu'on fasse une petite journée Twitch. Enfin, on va se faire un truc. On va se faire un truc. Witchcraft, il est où? J'ai préparé le jeu et il est là. Je vais peut-être devoir vous mettre le son aussi. Hop, c'est parti. Je vais voir comment je vous incruste le chat. Je sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire tout ça, hein? Alors attendez. Bon, le son est sympa déjà. Alors, j'ai mis un petit message automatique aussi. Ça sert à rien de me demander si je fume. Voilà, c'est ça. Je répondrai pas. Parce que c'est pas le sujet. En fait, on s'en fout. Et j'espère bien que les fumeurs, tout comme les non-fumeurs, puissent être convaincus qu'il faut légaliser. C'est ça l'enjeu, hein. C'est vraiment ça l'enjeu de la discussion de ce soir. Non, pas de marathon. Ouais, vous me voyez venir. Alors. Il n'est pas trop fort le son là, ça va? C'est toi. Merci Mamatax666. Moi je laisse le son fort dans mes oreilles parce que bah, je parle avec personne, à part avec vous sur le chat. Donc il faut juste que j'arrive à mettre le jeu en fond d'écran là. Pourquoi il veut pas me le proposer? Vous le savez, vous? Ah, ça y est, je l'ai. Capturer le curseur, oui. Gna 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 gna, oui, terminé. Oui, alors faut que je vous fasse un petit réglage de ma webcam. Parce qu'il y a des zones noires. Bon, c'est pas vilain comme incruste. Allez, on est parti, on est sur le jeu. Enfin, j'aimerais bien pouvoir régler mes contrastes quand même. Pourquoi il veut pas? C'est insupportable. Je vais peut-être changer de couleur. Quoi ça? Non, ça fait rien. Gamme de couleurs. Ah, c'est pas mal, c'est un peu mieux. Allez, on va laisser comme ça. C'est un peu mieux. Configurer la vidéo. Ouais, je peux faire des petites configs. Ouais, c'est bien. On est bien. Bon, je me mets là. Il faut que je vous mette. La boîte d'alerte, elle est où? Faut que je l'augmente. Non. Je vais le mettre en haut à gauche, la boîte d'alerte, si quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui ne me suit pas encore pourrait me suivre? Comme ça, on va voir si elle est bien positionnée, la boîte d'alerte. On appelle ça un call to action, il paraît dans le jargon sur Twitch. Et voulez-vous bien me suivre? C'est super génial ce que je fais. Merci Style. Ça sent le mec qui s'est désabonné pour se réabonner. Elle est pas mal. Je la connais celle-là. Ne trollez pas trop. Juste pour entendre Nicolas Sarkozy. Maintenant, il faut que je vous réincorpore le chat. Il est où? Boîte de chat. Ajouter. Ajouter. La République, c'est toi. Je vous le mets là. Tranquillou. Par-dessus. C'est bien pour vous. La République, c'est toi. Quoi, vous n'avez pas eu l'alerte? Lolo 25 02 68, bravo. Le son? Moi j'ai eu le son.
Eh ben, on va pouvoir jouer, les gens. En tout cas, j'aime beaucoup le visuel. Et c'est très sympa, la musique, tout ça. Enfin, tout a l'air bien. On dirait que le son sort de tes haut-parleurs. C'est possible, ça? Attendez, je crois qu'il y a un truc qui... Attendez. Ah bah là, le son, il sort plus de rien du tout, quoi. Ah bah non, c'est parce que la musique était finie. Non, il sort pas de mes haut-parleurs, le son. Je vous jure. Ah, c'est l'alerte qui est pas assez forte. Ouais, bah je l'avais... Ok. Bougez pas. Eh, vous me demandez, je dois faire régie à moi tout seul, c'est un truc de dingue. Alert box, allez là, follower, bim, crack, animation, contenu multimédia, nous voilà, volume. Allez, je vous fais péter les watts. Mais à 85, c'était à 60. C'est parti. Ah. Est-ce que vous jouez ensemble à des jeux entre députés, les filles? Non. Non, pas... si, j'avoue, je confesse, j'ai joué un peu avec Clémentine, on a fait des Scrabble. Sur le téléphone. Mais bon, on aurait pu le faire en vrai, hein. C'est juste que... Ouais, mais non, en fait, c'est le petit charme de Twitch, quand même, c'est que t'es ta propre régie, quoi. C'est toi qui es dans le game, tu galères, tu tâtonnes, et puis après, tu t'en sors, quoi. Sinon, c'est pas drôle. M'appelle pas Gabriel Attal, hein. J'ai pas une régie où je paye des millions et qu'à la fin les pauvres micros qui sont censés enregistrer les gens fonctionnent pas, quoi. Ouais, Guiraud, il joue. C'est toi. C'était mieux le son là. Merci pour Elpa de me suivre. Bon, allez, on lance la partie. On se concentre un peu. Ah oui, mais j'avais dit que je voulais ouvrir. Attendez. Parce que, pour pas vous dire de conneries, on m'a fait des éléments. Des éléments. Je les cherche. Parce que quand même, on a beau s'amuser, j'ai une équipe qui travaille derrière. Pour préparer ce genre de petit événement ensemble. Et je dois vous dire que c'était leur idée. Hein. C'était l'idée de mon équipe. Des fois, c'est mon idée, c'est moi qui ai des idées à la con, mais là, c'est leur idée, quoi. Alors, la consultation de l'Assemblée nationale. Je sais même pas à combien on est arrivé, du coup, là. Parce que la consultation est finie depuis le 28 février. Tac. Elle est composée de 33 députés, cette mission d'information. Oui. Quelques chiffres. Selon l'OFDT, avant le confinement, il n'était que 6% à fumer exclusivement seul, un chiffre qui monte en flèche pour atteindre 39% durant cette période de confinement. Et ben voilà, ça c'était le chiffre rigolo du jour. Aujourd'hui, le marché de trafic de stupéfiants, c'est environ 4 milliards d'euros par an. Chaque mois, ce sont 40 tonnes de cannabis ou d'herbe qui rentrent sur les territoires, c'est-à-dire que chaque jour, les Français roulent à peu près 1,2 ou 1,3 tonnes de shit ou d'herbe. Selon Frédéric Ploquin. Dans la réalité du trafic en France 2020. Et 568 millions d'euros, le montant annuel des dépenses publiques associées à la lutte contre le cannabis en France. Et ça, c'est donc la lutte répressive, parce que la prévention, c'est pas grand-chose, hein, le budget. Il y a 3,9 millions de consommateurs de cannabis en France, dont 1,2 million de consommateurs réguliers. Ah ouais, ça fait un paquet de monde, hein. Alors... Je vais garder ça sous les yeux. Et alors l'autre document, parce que j'avais un autre document. Questionnaire officiel. Ah oui, ça c'était le questionnaire. Je sais pas, Clémentine. Ouais, des fois vous avez des bonnes idées. Vu que tu es sur le chat et que tu m'entends, donc Clémentine travaille pour moi. Est-ce qu'on a le nombre de. Enfin, est-ce qu'ils ont nous envoyé un mail récap un peu de. La consultation, je crois qu'on était quasiment à 270 000, 280 000 répondants, ce qui est plutôt beaucoup en fait, hein, pour une consultation en ligne sur le site de l'Assemblée, qui était la première du genre, puisque le site internet a été refondu et cette démarche a été créée il n'y a pas si longtemps.
Donc on va la regarder. Bonjour, la légalisation des pénalisations est-elle envisageable en France dans les années à venir ou pure utopie? Moi je dis que c'est le sens de l'histoire. On va essayer de voir pourquoi ensemble. Alors revenons à Witchcraft. Nouveau scénario. Scénario de base, scénario avancé, scénario de chaleur. C'est quoi ça? On va faire le scénario de base, croissance. J'espère que tu t'es bien éclaté pendant la première année d'études, vu que c'est la seule que tu feras. Ton père était trop fier pour avouer qu'il avait du mal à payer tes frais de scolarité. Il est tombé malade. Et il est mort. Comme tes rêves de MBA. Bon, c'est très States, hein, du coup. Te voilà revenu au point de départ à Flint, dans le Michigan. Tu crèches dans la baraque de ton père avec Clyde, ton frangin frénétique, agressif, libre penseur, contestataire et un poil parano. Je sais pas ce que c'est, mode tranquille. Détends-toi et joue tranquillement avec moins de galère. Ah ah! On est d'accord, hein? Mode tranquille. On est d'accord. Bon. Merci, Crispies. Bah ouais, j'ai investi. J'avoue, la dernière fois, vous m'avez mis un gros taquet, donc je me suis repris en main. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? J'aime pas le mot croissance. Moi non plus. Mais là, en l'occurrence, faut bien que la croissance de la plante, hein, faut bien qu'elle pousse. Hein, sinon, voilà. Donc, le Maroc qui s'apprête à décriminaliser le cannabis aura-t-il un impact sur la discussion en cours? Mais en fait, on a l'impression que rien n'atteint la France, en fait. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les Pays-Bas y passent, l'Allemagne, ils y réfléchissent très sérieusement, les Belges ont déjà dépénalisé. Il y a une tolérance sur le sujet, le Canada y est passé, les États-Unis, il y a plusieurs États où c'est légal, il y a l'Uruguay où c'est légal, je crois, depuis longtemps. Bah, je crois que c'est marqué sur mon petit papier. Alors, qu'est-ce qu'on a? En Allemagne, usage rétroactif dépénalisé, c'est ça. Pays-Bas, bon voilà, vous savez tous. Israël, cannabis thérapeutique, c'est une véritable industrie. Utilisé depuis 15 ans pour soigner le... Parce qu'il y a ça aussi. Bon, là, je crois qu'ils ont pris les décrets, les machins, je sais pas quoi, enfin, les autorisations de mise sur le marché, ça a enfin été pris. Parce que depuis 2014, le cannabis thérapeutique, c'est autorisé, en fait. C'est autorisé. Et on n'avait rien fait, pas avancé, rien, que dalle. Bon. Et bon. Oui, et t'as rien atteint Darmanin. C'est vrai, parce qu'il a encore dit, genre, il y a 5 jours, 6 jours, la légalisation du cannabis... ce serait une solution de facilité, non, une facilité intellectuelle, je crois. Un truc comme ça. On est des gaulois réfractaires. Le Portugal, c'est dépénalisé, c'est pas légalisé. L'Espagne, donc c'est un statut un peu étrange parce que il faut que ça se, vous pouvez. Mais, alors chez vous, l'autoproduction est autorisée. Ça, c'est important aussi. Il faudra autoriser l'autoproduction parce que les gens peuvent faire pousser leur pied dans leur coin, ils dérangent personne. Moi, franchement, je trouve que c'est la meilleure solution. Hein. Après, tout le monde n'a pas de quoi cultiver chez lui. Donc c'est... Et puis tout le monde n'a pas forcément envie ou le temps de cultiver. Donc, faut que tu appuies sur une touche, Hugo. Bah, je sais. Mais je vous parle, je regarde le chat. Et du coup, bon, allez, j'appuie sur n'importe quelle touche. On y va. À vous, les studios. On regarde un peu la cinématique. On commence bien, quoi. Ah, Riposte 34, t'as payé pour une imitation. C'était quand? C'était quoi? C'était où? En fait, c'est pas visible. C'est pour moi, c'est en gris dans le chat. Imitation personnalisée de Sarkozy. Donc, ça ressort pas en fait. Alors, on attend que la petite cinématique soit passée. Bienvenue à la maison, mec. Alors, bienvenue à la maison, mec. Enfin, ça, c'est quand Sarkozy accueillera un nouveau détenu à côté de lui. Bienvenue à la maison, mec. Ici, c'est la maison d'arrêt de la Paris de la Santé. Je te fais visiter les environs. Il y a pour moi, il y a Patrick qui est venu en avant-première. Il a un peu défriché le terrain. Il m'a passé quelques contacts, quelques bons tuyaux. Je sais pas si le député Bernalici viendra me voir. Il était venu me voir. Enfin, il était venu voir Patrick. Donc peut-être que
Enfin, c'est pas encore fait. Hein. Pour l'instant, la condamnation n'est pas définitive, hein, comme chacun sait. Mais tout ce que je veux, c'est pas aller en prison. Et si je vais en prison, s'il vous plaît, double ration de frites. Donnez-moi une double ration de frites. Alors, perso, je suis allé à la maison d'arrêt de la santé. Et moi, je veux pas une double ration de frites. Hein. Enfin, en tout cas, pas celles qui sont sous vide. Ça dépend dans quel quartier vous allez. Si vous essayez à la Sodexo avec les trucs sous vide, je mange pas les frites. Hein. Sérieusement, hein, c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse plutôt le retour son pour voir si c'est pas trop fort dans mes oreilles ? Attendez. Je vais mettre le retour. Et pas... Hop, Oui, mais si je fais ça, ça va pas aller. Ah non, je peux pas. Tant pis. J'ai baissé le son. Ouais, désolé pour le petit truc Windows là. Tu ne veux pas régler ta chroma key? Si, j'aimerais bien, mais il veut pas. Je suis désolé, Streamlabs veut pas que je règle en direct live ma chroma key. Ça fait un truc qui tourne, qui mouline. Je suis désolé. Voilà. Donc faudra que je la fasse offline ou il n'y a pas trop de choix. Alors, le temps presse, il faut quand même qu'on commence à jouer. C'était bon Riposte là, ça te va? Ok, c'est cool. Allez, bienvenue à la maison, mec. Donc, c'est Clyde Woodson, ton frère. Je vous fais la lecture ou vous savez lire? Assistant à Business Administration. Eh ben, ils ont de l'humour. Lis-nous le texte, oui. Maxi, ouais non, mais ça vous allez clipper. Maxi Branlette Association. Laisse tomber. Ouais, bon, je sais que tu voulais continuer ton école, mais il y a des trucs qui peuvent rapporter plus. De quoi tu parles? J'ai un super plan à te proposer. Laisse-moi deviner, il s'agit de fumer un gros tas d'herbes. Je te parle pas de la fumée, je vais te montrer un truc. Avec la voix de Sarko. Non mais vous êtes insupportable quoi. Faut vraiment que j'apprenne à imiter d'autres gens quoi. S'il finissait à la santé, il prendrait double ration mais pas de frites. Oh non Mister Joff, non. On reste. Mais c'est vrai que par contre les violences en détention ça existe. Hein. C'est pas juste un mythe. On pourrait faire le compte Twitter d'ici out of context. Faites ce que vous voulez, de toute façon c'est la liberté encore dans ce pays. Enfin, ce qu'il en reste. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il me dit qu'il faut cliquer là, je pense. Maison familiale, culture en sous-sol, chambre de culture. Ah oui, d'accord, on commence le business par... Ah oui. Merde, papa était au courant de ta petite installation? C'était toujours mieux que les opioïdes et les benzos. Les opioïdes? Les opioïdes? Papa prenait des opioïdes. Les docteurs lui ont prescrit du Percocet et de l'Oxy pour la douleur, mais ça a niqué son système digestif et sa résistance a augmenté. En quelques mois, il n'était plus que l'ombre de lui-même. C'est pour ça que j'ai commencé à cultiver. Alors, point très intéressant, comme quoi ce jeu va être utile pour parler un petit peu. Nous sommes le premier pays en consommation... Nous sommes le premier pays en consommation de psychotropes légaux. Par habitant, vous savez, les antidépresseurs. Voilà, ça interroge. Alors, ça interroge sur plein de choses, parce que moi, je me dis pas, si on légalise le cannabis, ça fera moins de médicaments, plus de cannabis, ou le cannabis est avant tout un médicament. Non, je vous rappelle que le cannabis, quand on le fume, au niveau de la toxicité d'un joint, pour vos poumons notamment, enfin pour le système respiratoire et les côtés cancérigènes, c'est l'équivalent de, je crois, 4 à 7 cigarettes en fonction des experts.
Parce qu'évidemment, vous mettez du tabac dedans, et puis il y a de la combustion. À partir du moment où il y a de la combustion, merci Ekmustezo de me suivre, et J Dufour aussi, et Vico PH que j'ai pas salué. Alors, j'en reviens. Voilà, on est là. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite hypocrisie là-dessus, sur la question des psychotropes, des antidépresseurs. Moi, je pense que si on diminuait le temps de travail, par exemple, qu'on mettait plus de moyens dans la culture, dans toutes ces choses-là, sans doute qu'il y aurait moins d'usages de psychotropes légaux ou illégaux, et moins de conduites, ce qu'on appelle les conduites à risque. Ça, c'est important, ça. Parce que c'est ça le principal problème, les conduites à risque. Et comme la drogue c'est mal et qu'on est censé se prendre une amende, etc., et ben on fait pas de vraie campagne de prévention. J'ai vu passer des trucs super cool sur le compte Twitter du PCP, je les aime beaucoup, vous savez, c'est le collectif de la police contre la prohibition. Alors je les aime beaucoup parce que c'est la police et contre la prohibition. C'est un combo gagnant pour moi, puisque comme vous le savez, je suis un ancien du ministère de l'Intérieur et que je m'intéresse beaucoup aux questions de police. Donc quand j'en ai qui sont pour la légalisation et qui ont des arguments et des argumentaires solide et costaud, moi j'aime bien. D'ailleurs, si quelqu'un peut cliquer sur le lien là pour aller sur la mission d'information sur l'usage du cannabis et me trouver le lien de la vidéo parmi les modérateurs qui sont là sur le chat, la vidéo de l'audition justement de Bénédicte Desforges de la police contre la prohibition, elle est vraiment chouette. Vous pouvez la regarder en replay à l'occasion. Non, c'est pas un syndicat de police, c'est une association. C'est sous statut associatif, hein. Donc c'est des anciens policiers ou des policiers d'active, mais ceux-là ils filent des infos, etc. Ils sont pas en mode le cadre de vie. Bah oui. Sur les antidépresseurs, Lilith 2020, tu as raison. La culture ne pousse-t-elle pas à la consommation? La consommation de culture? Si. Mais quelle culture? De quelle culture on parle? De quelle culture tu parles, toi, te la répète? Ah, attention à la polysémie des termes. Allez, on continue. T'inquiète, avec ton sens du commerce et mes relations plus ou moins fréquentables, on peut s'emparer du marché de la beuh dans cette ville. J'allais justement envoyer une nouvelle fournée. Je vais te montrer comment ça marche. Si on veut payer les factures d'électricité, il va nous falloir un gros tas d'herbe. Ouais, je fais une voix un peu bizarre. J'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'on peut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer où? En tout cas, les visuels, moi, ce genre de jeu avec des visuels comme ça, hein, un peu cheap, je kiffe, quoi. En bande dessinée. Alors, la lumière. Choisir l'éclairage. Les plantes ne poussent pas sans lumière. Le choix de l'éclairage affecte les récoltes. Donc, ouais, donc c'est ce que j'avais vu dans les commentaires. On n'est pas sur de la culture en plein air, en bio, respectueuse et tout, etc. Hein. Voilà, on va faire péter des mégawatts. J'espère que ce ne sera pas du nucléaire. Mais aussi la température de la chambre. Ah oui, parce que la lumière, ça fait de la chaleur, sauf les LED qui chauffent moins, évidemment. Et la vigilance policière. C'est pas censé être légal, notre truc? Ah non, parce que là, on fait pousser dans les bas-fonds de la chambre. Donc c'est pas légal. Parce que ça va pas être déclaré, quoi, à mon avis. Alors, je sais pas, ça m'a pris des sous. J'ai 2900, c'est ça? 2900$. Éclairage, les plantes poussent, ne poussent pas sans lumière. Merci Manuel 56400. Tiens, les Bretons sont dans la place. Alors, il faut du coup un pot ici. Cliquez pour installer une plante. Variété possédée. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait combien... Ah, merci Clémentine pour la table ronde. Pour le lien. Donc Clémentine vient de vous le mettre. N'hésitez pas à le mettre en favori, à le garder dans 5 points précieusement et à aller regarder ça quand vous avez un peu de temps. Reggie. Le choix de la variété influence les acheteurs du produit, mais peut aussi affecter la qualité, la récolte et le temps de croissance. Alors oui, parce qu'il y a aussi ce débat sur le cannabis. Aujourd'hui, il y a des plantes avec 30% de THC, rendez-vous compte. Ah oui, bah justement, si on légalisait, on pourrait réglementer ça, mettre un peu des maxima, et puis bon, bah, mieux contrôler ce qu'il y a dedans, quoi. Ça paraît tellement évident. Salut Roger Soleil. Putain, mon téléphone n'arrête pas de vibrer, c'est insupportable. Je vous jure, hein, c'est... Enfin, en plus je l'ai mis en silencieux donc il vibre pas, mais il n'arrête pas de s'allumer. J'ai je sais pas combien de textos pour... Est-ce que vous accepteriez ce soir une rapide interview pour téléphone? Oh là là là, mais quelle idée de se faire condamner comme ça aussi là, monsieur Sarkozy.
Hein ? Après, on vient tous me voir. Je vais mettre ce soir tard, alors. C'est France Inter, là, parce qu'ils veulent passer un son, j'imagine. Enfin, faut que je réfléchisse à ce que je vais dire, quand même. Spécial de votre instant politique sur France Info. Bah oui, mais non, mais arrêtez, là. Bon. Alors, il faut prendre cette variété-là. De toute façon, il n'y en a qu'une. Choisir la variété. OK. Combien il y a de variétés différentes? C'est infini? Il y a des gens qui s'y connaissent un peu sur le chat, là? Bah oui, le niveau de THL, à la limite, on s'en fiche un petit peu. C'est plutôt... Tu veux qu'on t'écrive ton intervention? Tu serais pour une TVA sur la vente? Bah oui. Alors moi, je suis pour diminuer la TVA sur tous les produits, mais là, en l'occurrence... D'ailleurs, le chat, il faut peut-être le mettre sur la gauche, non, plutôt? Là, vous dites rien, mais... Plutôt là. Ce sera mieux, là. Allez. Choisir le substrat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Terre pauvre, de toute façon, j'ai pas le choix. La plante poussera dans le substrat de culture choisi. Ce choix affecte le temps de croissance, la qualité et la vigilance policière attirée par la culture. Ok. Bon. Très bien. Ensuite, il faut faire pousser. C'est quoi ça? Ok. Donc là, il a mis de l'eau, j'imagine. Et ça, c'est le temps de que ça passe. Alors l'autre, choisir la variété, ben, il n'y en a qu'une toujours. Substrat, toujours un quin. Ok. Faire pousser. Parce que c'est quoi en fait là? Plante la graine et fait pousser la plante. Allez hop. Fait pousser deux plantes. Récolter 100 grammes. Nouvelle entrée dans le manuel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, pousserait rapide. Mars. Ah oui, il y a le temps en bas qui déroule. Ah ouais, ça grandit. Il y a même une plante au-dessus de ma tête. C'est quoi? Faut couper quand en fait? Ah oui, c'est la barre verte à mon avis qui nous indique quand c'est fini. Condition, il fait 25 degrés et on a 60% de taux d'humidité. Moi qui ai déjà pas la main verte, et la plupart des trucs que je fais pousser chez moi, mon basilic est complètement cramé. Enfin, je m'y remette. On va mettre play. Alors, plus de 800. Ah, mais merci, un poil dans la main. Mais en fait, après, je crois qu'on peut faire des croisements, des machins. Donc, à mon avis, c'est infini cette histoire. Comme le houblon. Enfin, après, je sais pas dans la recherche variétale. Parce que je sais que le houblon, ça prend 12 ans par croisement successif pour arriver à une nouvelle variété. Et alors oui, petite anecdote. Alors attendez, il faut que je récolte visiblement. Récolte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a mis où? Où est-ce qu'on voit ce que j'ai récolté? On sait pas. Alors, tu te retrouves orphelin à 24 balais avec même pas un demi MBA en poche et quand tu fais bien de ta vie, tu te demandes si la lueur que tu aperçois, c'est le bout du tunnel ou seulement Clyde qui joue sur son téléphone. Mais même si les plans de Clyde peuvent être illégaux, ils rapportent et ne font de mal à personne. Cash, 10$. Bah, c'est pas avec ça que je vais m'en sortir. Feuilles vers le bas. Elles ont soif? Belle relance de la croissance, ouais. c'est drôle. Ouais, Roadpeace 59, ça m'a l'air d'être un langage tout à fait élaboré. Ça a poussé en haut plateau, je parie sur de la skunk d'Auvergne qui a poussé en permaculture avec du melon. Il faut noyer d'eau le basilic, Hugo. Ouais, mais je sais, mais... Ouais, bon. Alors, cool, la récolte est prête. Il ne reste plus qu'à changer la verdure en billets verts. Malin.
Allons-y. Allez, allez au boulot. T'inquiète, j'ai parlé à mes potes au marché. C'est tranquille, là-bas, ils te laisseront t'installer sans souci. Si on arrive à avoir un peu de bœuf, on sera bien parti pour réussir dans le vrai business. Je sais pas ce que c'est le vrai business, mais... Je crois qu'il ne faut pas que les plants soient pollinisés pour que ce soit consommable. Ouais, il y a un truc mâle, femelle, tout ça. C'est que les femelles, je crois, qui donnent les têtes. Alors oui, donc l'anecdote, pardon. Anecdote. Eh ben en fait, je parlais de houblon, c'était pas complètement déconnant parce que le houblon, c'est la même famille que le cannabis. Et voilà. Donc ça c'est dit. Donc ça fait pareil, des têtes, hein, le houblon avec de la résine dedans, etc. On avait fait un reportage avec Clémentine qui est là sur le chat, mais ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, notre micro, il a fait n'importe nawak, ça a tout planté, c'est un scandale. On a des très belles images, on me voit arracher des lianes de houblon, mais un son horrible. J'avais dit qu'il fallait que je refasse un montage. Eh, faudrait que je passe un petit peu de temps là-dessus. Alors, Nightbot, merci pour la précision. Ouais. Allez, alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut replanter quand même. Faire pousser un autre plan, d'accord. Je sais pas, je clique, mais je sais même pas ce que ça implique. Moins 10, qualité. Ah, quand on refait la même, c'est ça? Ça fait 50 grammes. Ok, bon, alors il faut appuyer Flint, ville actuelle. On passe en ville. Et là, c'est le marché, j'imagine. Marché, lieu public. Installation pour 500$. Tu veux t'installer? Tu pourras vendre de l'herbe illégalement. Ah ouais, d'accord. Je paye 500$ pour vendre de l'herbe illégalement. Bravo. Ou acheter une licence si la loi le permet. Ah. Donc c'est plutôt une licence parce que la loi le permet, là. Je sais même pas si dans... si à Flynn c'est légal. Quelqu'un peut checker si à Flynn c'est légal hein. Donc ça me... C'est quoi ça? Dépose un lot pour lancer la vente. Un lot de quoi? Plus. Faut que je fasse quoi? C'est ça qu'il faut que je prenne, 100 grammes? Ah oui, c'est ça. Faut le temps que ça monte. Hein. Cinquième classe, on va laisser comme c'est là. Alors, question, là où il y a un débat, moi je n'ai pas encore tout bien réfléchi, mais il y a globalement, si on légalise la consommation, la vente, la production... Il y a trois options. Il y a l'option médicale, donc en pharmacie. Seul, vous pouvez en acheter seulement en pharmacie. C'est le cas, je crois, de la Californie. Aux States. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me parle, lui? 1000$. Qu'est-ce qu'il me veut? Maintien pour vendre. Merci Nico Gensei. Ouais, oubliez pas de me suivre. Hein. On essaiera de faire des trucs sympas comme ça régulièrement. Mais du coup, j'ai plus rien là. J'ai tout vendu. Le mec a tout acheté. Pas de stock. Ah ouais. Donc il faut que je retourne là, c'est ça, pour produire. Vente, culture. Ok, c'est, je viens de comprendre. Double clic pour voir les détails. Herbe en stock. Code des clients. Donc, je disais, en pharmacie, ça peut être chez les buralistes. Bah, ils vendent déjà du tabac, donc pourquoi pas. Ou dans des lieux dédiés. Les lieux dédiés, donc... non, pas les 600 followers, oui, Dave, les 6000.
lieu dédié, ben, comme aux Pays-Bas, un coffee shop. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait, un petit modérateur dans le secteur, pendant que je suis en train d'essayer de jouer, lancer un sondage, ce que vous, vous pensez là sur le chat, de ce qui est le plus, ce qui est le plus utile. Emma Alvidor, merci de me suivre, c'est cool, c'est sympa. Un petit sondage, buraliste, pharmacie ou lieu dédié. Sachant que là, il y a déjà liberté d'entreprendre soumis à une licence. Ouais, donc coffee shop, quoi. Lieu dédié. Et ouais, alors les buralistes vendent du CBD maintenant, ouais, j'ai vu ça. Mais il y a d'abord eu des magasins qui faisaient que du CBD. Donc le CBD, c'est le cannabidiol, qui est l'autre molécule contenue dans le cannabis. Il y a le THC tétrahydro. Tétrahydro. Pourquoi le CG, bon, voilà, vous avez compris. Et le cannabidiol, CBD. Le cannabidiol, cannabistro. Cannabinol ou diol? Cannabinol? Je dis nap. Bon. Cannabinien. Ouais, comme ça. Qui n'est pas la substance psychoactive, parce que ça, c'est le THC. Donc, c'est légal. S'il y a moins de 0,2% de THC. Mais il y a eu un débat juridique parce qu'il y a eu des plaintes devant le Conseil d'État, je sais pas quoi, puisque les vendeurs, on leur disait « Ouais, mais vous pouvez pas quand même vendre ça à fumer. » Donc, ils vendent ça en disant que c'est pour faire des pots pourris ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Tétrahydrocannabinol. Ah ouais, cannabinol. Pas cannabidiol, cannabinol. Ah, faut articuler, hein. C'est pas évident. Cannabinol. Non, personne pour me faire un sondage? Qui c'est qui est là? Qui je peux désigner unilatéralement? Clem, tu vas pas savoir faire le sondage, hein. Il n'y a pas Zarguette qui est dans le secteur Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, les modos. Il n'y a pas une touche pour savoir qui sont les modérateurs en ligne. Bon. Alors, mais il faut que je fasse pousser, mais comment ça marche? Maison familiale. Ah si, c'est là. Culture en sous-sol. Chambre de culture. Ah oui, c'est là. Faut couper. Ah non, c'est pas encore poussé. Flint. Il fallait encore que je fasse des trucs. Vous voyez où je dois cliquer ou je suis bigleux là? Pas de stock, c'est fini. J'en ai plus là en stock. Rivo, il n'y en a pas. Police, on est disponible plus tard. C'est quoi la question? Ouais, merci Style. Je voudrais faire un sondage avec les trois options. Buraliste, lieu dédié, genre coffee shop quoi. Ou pharmacie. Ou d'ailleurs, on peut mettre dans le sondage les trois. Parce qu'au fond, on peut dire c'est la liberté, quoi. Ça peut être, vous pouvez vendre soit dans des lieux dédiés, soit chez le buraliste, soit. Parce qu'en fait, le tabac, pour le coup, c'est vraiment que les buralistes. Hein. Et je sais que les buralistes, ils tirent un peu la langue et c'est pas forcément évident pour eux, la vie de tous les jours. Donc. Il y a quand même un truc politique, quand même d'équilibre à trouver, quoi. Les AMAP. Eh ben bravo. Eh ben bravo. Alors on va faire un vote. On va faire un vote, les gens. Oui, on ferait sans ordonnance. À partir du moment où c'est légal, légalisé sur la consommation de cannabis récréatif, on se prend plus la tête, quoi. C'est vraiment, on se prend pas la tête. Je vous parle pas d'ordonnance, hein. Bon, il faut que je clique où là? Vous voulez pas m'aider? C'est quoi? Nouvelles entrées dans le manuel. Interface. Play. Lieu. Type de lieu. Ok. Nouveau. Installation. Un lieu pour affecter tes emplacements. Culture. Voilà. Vente. Bon, c'est chiant. Interface partie 2. Ok. Bon. Alors.
C'est quoi, il veut me parler? Vend 150 grammes d'herbe. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Autre chose. Laisse tomber. Ok. Donc il faut bien que j'attende que ça ait repoussé. C'est bien ça. Alors, maison familiale, culture en sous-sol. Ah, donc c'est là qu'il faut que j'aille. Champ de culture. Et donc là, c'est le moment d'accélérer. C'est ça qui... En fait, c'est ça qu'il voulait que je fasse. Et speeder le truc. Ok. Le sondage est en cours. N'oubliez pas d'aller voter. RDR, réduction des risques. Ouais. Voilà. Alors donc, voilà, sur réduction des risques. Donc, aujourd'hui, le cannabis se consomme essentiellement dans des joints avec du tabac. C'est ça qui est le plus nocif, puisque c'est beaucoup plus nocif que de fumer une cigarette. Bon. Comparativement. Mais en théorie, on fume moins de cigarettes qu'on ne fume de cannabis. Mais bon, ça, c'est la théorie. Et sinon, on peut le consommer évidemment comme chacun sait, bah avec sa bouche, en le mangeant. Alors, il faut extraire machin, le principe actif pour le mettre ensuite dans les gâteaux, hein, les cookies, les fameux space cakes. Donc ça, c'est possible. Et ça peut. Je crois que c'est fini de pousser mon truc là. Ouais, c'est parti. Mais on va replanter. Allez, c'est reparti. Alors du coup, non, ça change rien. Alors, on a Flint. Et donc, on peut effectivement le vaporiser. Ça, c'est très à la mode. Les vaporisateurs qui, où il n'y a pas de combustion, ça vaporise. Alors du coup, c'est très dans la comment on appelle ça, pas chez les naturopathes, mais flûte. L'aromathérapie, merci. Merci pour votre aide. L'aromathérapie, c'est très utilisé pour vaporiser, je sais pas, du ginseng, si vous voulez être en forme. Vous pouvez vaporiser de la menthe, ce que vous voulez, du basilic, ça vous fait plaisir. Bref, et donc il y a des plantes qui ont des vertus quand même thérapeutiques. Je sais pas, l'arnica, par exemple. Je crois que l'arnica, c'est une plante à la base. Hein. Et donc ça c'est un peu l'idée, c'est qu'il n'y a pas de combustion, donc c'est moins pire. Mais est-ce que les gens le savent? J'en sais rien. Mais en tout cas, il pourrait y avoir des trucs, je sais pas moi, sur le ministère de la Santé, une page dédiée à la consommation de cannabis et comment consommer du cannabis en toute, en toute sécurité, tout au moins, en tout cas en limitant les risques. Et ça, en fait, ça vaut pour les autres drogues, hein, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'exemple du Portugal, puisqu'ils ont tout dépénalisé, toutes les drogues. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à réduire le nombre de consommateurs, en tout cas de conduite à risque. Alors, 59% pour le lieu dédié, d'accord. C'est assez intéressant comme résultat de sondage. Parce que c'est loin devant les autres, quoi. Je note. Et ça faisait partie des questions, je crois, du sondage. Alors, attendez. Je regarde ce que m'avait mis Clémentine. Une note. Et là, le document. Qu'est-ce qu'il disait? Individuellement. Oh, les départements, on s'en fout. Non, clac. Répression, pensez-vous, lutter efficacement, alcohool. Oui, bon, bah ça, je veux pas le laïus, de l'alcool tue beaucoup plus que le cannabis, bah, enfin, vous êtes déjà au courant. Suppression, êtes-vous favorable? Ok, en vente libre. Ah oui, s'il y avait une question, en vente libre, en vente régulée sur le modèle de l'alcool? En vente dans des boutiques spécialisées, en vente dans les bureaux de tabac et autres. Vous avez vu, dans le sondage, ils n'ont pas mis les pharmacies. Je pense que ouais, c'est pas dans notre culture que de vendre ça en pharmacie ici, ça ferait un peu bizarre. Quoique, bah, pharmacie, il y a herboristerie. Moi, j'ai pris à un moment donné, vous pouvez trouver dans des bonnes herboristeries du houblon séché pour faire des infusions, ça détend. C'est un bon antiseptique naturel aussi. Ça a plein de vertus, le houblon. Autre que dans la bière, hein. Et sans alcool du coup. Combustion, j'ai repris le sport,
et j'ai baissé, en arrêtant la combustion, j'ai repris le sport et baissé ma consommation de cannabis. Et bah, c'est super ça. Coffee shop parce que c'est le top. Ouais. Ah, ouais, ouais. Le début Twitch est multitâche. Et le groupe de l'ARM est multitâche. C'était drôle, Miss. Alors, attendez, parce qu'il faut quand même qu'on reprenne. On est quand même là pour jouer. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Dommage que vous n'ayez pas d'herbe au goût sucré. Donc, plus de l'olivante. Maintien pour vendre. J'arrive pas à lire combien il m'a acheté. Encore un autre. Mais j'ai plus rien là. Ah si, j'ai tout vendu. Ce qui avait commencé comme un rêve désespéré a mué un truc bien plus gros. Tout comme Clyde qui a commencé à grandir à sa manière. Donc c'est 250 de cash bonus. C'est bien. Nouvelle variété. Super Lemonade. SLH. Alors, j'imagine qu'il y a un citron, donc c'est un goût de bah, lemon, ouais, ok, c'est facile. Niveau 1 de l'effet, bonheur, niveau 2 de l'effet, antidépression, niveau 3 de l'effet, ok. Si c'est légalisé, tu peux faire pousser oxyde, donc la qualité n'est plus un problème. Ok, j'ai pas tout compris. Souche sativa. Je sais plus la différence entre indica et... Ouais, pardon, j'ai toussé. Entre sativa et indica, je sais que c'est deux variétés différentes. Et qu'il y en a une qui est beaucoup plus puissante, je crois, sur les effets psychotropes. Mais je suis bien meilleur pour vous parler de houblon. Alors, super. Alors, attends, je reprends mes voix. Super, on se débrouille bien. Mais faut pas se reposer sur nos lauriers. Va voir Bums. Il vend de l'herbe ici depuis plus longtemps qu'on s'en souvienne. Il peut nous aider à passer à un niveau supérieur. Ça roule les mecs. Eh, votre herbe est potable, hein, mais il faut la quoi? La fourguer au bon client. Pff, je peux vous filer quelques trucs pour comprendre la demande. Ça marche, je t'écoute. Ça me va, on commence où? Les SDF du marché se contentent peut-être de votre edgy, mais les sportifs sont plus difficiles. Faut leur proposer un peu de choix. Avec quelques clichés sociologiques, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends qu'il vaut mieux répondre aux demandes du marché, mais pour le moment, tout ce que je peux cultiver, c'est la Reggie. Mec, c'est du travail d'amateur. Tiens, voilà des graines de Super Lemonade. Tu me diras pas que je t'ai jamais rien donné, hein. Maintenant, au boulot, il y a une chaise longue sur une plage des Caraïbes qui n'attend plus que moi. Dans une vapoteuse sous forme d'huile. Ouais, j'ai entendu parler. Alors, indica relaxante idéale pour le soir, sativa pour la journée. Les conseils de Nico Jensen. Ok. Sativa high et speed effect, indica slow peace effect. Ok. Ok. Et ok. Alors, oui, c'est quel pourcentage du travail de la police la répression du cannabis? Bonne question. Donc, selon nos amis de la police contre la prohibition, voilà, quand les policiers sont dehors, c'est-à-dire qu'ils se battent dans la rue, ils ne savent pas quoi faire, 56% de leur temps, il est consacré à la répression de l'usage des drogues. Par le fameux, je vous note dans le mille, le contrôle d'identité. Le truc qui n'a jamais été un grand voyou, mais qui a arrêté des tas d'usagers de stupéfiants, enfin l'État. Bon, quand même, proportion gardée, quoi. Parce que, en tout cas, le trafic n'a jamais reculé. On n'a jamais autant pénalisé le trafic de stup, on n'a jamais mis autant de moyens de policiers, on n'a fait que les accroître, hein, d'année en année, avec aucun impact, en fait, hein, sur la consommation. Et même la consommation a augmenté. Alors, je ne vais pas vous faire une corrélation en disant plus il y a de policiers, plus il y a de consommateurs de cannabis et de drogue, parce que ce serait un peu débile comme corrélation, mais en tout cas, la corrélation inverse n'existe pas. C'est-à-dire, plus il y a de policiers, moins il y a de consommateurs, ça ne marche pas, quoi. Par contre, plus il y a de prévention, plus il y a de campagnes de prévention, plus il y a de clubs de prévention, moins il y a de consommation et moins de consommation à risque. Ça, c'est vrai.
D'ailleurs, vous savez, les Pays-Bas, on prend toujours cet exemple-là, mais c'est un bon exemple, hein, puisque en fait, en réalité, tout le monde s'était dit, voilà, quand vous allez légaliser, il y aura une explosion de la consommation. Alors, pour le coup, aux Pays-Bas, il y a eu une explosion de la consommation des non-néerlandais qui venaient aux Pays-Bas pour fumer parce que chez eux, c'était pas légal. Ça, c'est vrai, ça a explosé. D'ailleurs, ils ont dû réglementer, machin, etc. Mais vis-à-vis de leur propre population, ça a été une baisse. Ça a été une baisse. Faut pas l'oublier. Ah, bah, comment ils vont faire, les maires? Eh bah, ils vont dire qu'avec eux, ce sera peace, cool et détendu. Voilà, miss, misou. Bon, et tous ceux qui suivent pas encore la chaîne, là, c'est le moment de cliquer. Hein, on est chaud. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, il faut que je fasse pousser de la lemon, machin, je sais pas quoi. Super, merci Isaël de me suivre. Qu'est-ce que je dois faire là? Chambre. Couper. Récolte. Récolte. Alors non, là il faut que j'appuie sur le pot. Pas je me plante. Comment on fait pour changer? Changer. Mais en fait ça me coûte des sous. Comment je... Choix de la variété, la qualité, machin. Mais il faut que je garde la... Attendez. On va garder un plan de normal. Et on va mettre l'autre. Changer de variété. Ça fait quoi quand je fais ça? Et quand je fais ça, ça me prend des sous ou pas? Non, en fait, ça prend pas de sous. Non, ce qui prend des sous, c'est la consommation d'électricité, machin, etc., je pense. Alors, tes SDF veulent acheter ton produit. C'est quand même un peu chelou comme jeu. Hein. Enfin, sur ces aspects-là. Oui, il faudrait des militants politiques dans toutes les entreprises qui développent des jeux vidéo, histoire qu'il y ait un peu une pertinence. La République. Alors, il faut que j'appuie là, c'est ça? La régie. Mais les mecs prennent 100 grammes d'un coup, quoi. Chaud. Il faut un autre point de vente peut-être? Lancer une nouvelle activité. C'est ça? Si je veux pouvoir vendre l'autre après. Allez, on dépense les sous. Voilà, j'ai pigé. J'ai pigé comment ça marche le jeu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mettre mon message en avant. Le plus drôle, c'est quand les Pays-Bas ont voulu intégrer l'accès aux étrangers, ils ont fermé les provinces du Sud en premier, puis quand ils ont voulu généraliser, c'est Amsterdam qui a bloqué. Ah oui. Bon, j'ai pas tout suivi, hein, ce qui s'est avec les Pays-Bas, mais je savais qu'il y avait eu des volontés. Ouais, je sais, je vais suivre un peu le scénar, pardon. On va accélérer, du coup. Du coup, je vais mettre celle-là, là. Oups. Qu'est-ce que c'est? Illégal. C'est illégal pour l'instant ce que je fais, bah bravo. Personne ne me dit rien, moi je fais des trucs illégaux et personne ne me dit rien. Médical. C'est-à-dire quoi médical? C'est-à-dire que c'est autorisé mais que dans un cadre médical à Flint. Ah bravo. Macron qui dépénalise pour se faire réélire, c'est crédible d'après toi? Ouais, c'est crédible. Alors, c'est crédible qu'il le propose pour se faire réélire. Qu'il soit réélu grâce à ça ou qu'il soit réélu tout court, ça c'est pas crédible. Je vous rappelle, attendez, on va faire un truc. Je vous remets la petite vidéo que j'avais mis en intro. Je vous remets ça. Ça vous fera du bien. Allez, on remet la petite vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Soyons clairs, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés. À mon sens, ce n'est pas plus dangereux que l'alcool. Non, c'est dangereux. C'est dangereux et notamment quand c'est pris à haute dose. Vous avez fumé du cannabis ou déjà? Non, Manuel, jamais. Je ne vais pas m'arriver d'avoir fumé peut-être une fois. Mais... Didier Paris, bon, je ne vais pas vous demander si vous avez déjà fumé. Vous avez déjà fumé. Rappelez-vous. Il y a longtemps, hein, alors. Bon. À un moment donné, si on ne légifère pas sur le sujet, de toute façon. Faut arrêter l'hypocrisie. Mais attendez, on est le pays le plus consommateur de psychotropes légaux.
Mais d'accord. Ce qu'on propose dans le livret sécurité, c'est de légaliser la consommation du cannabis, mais aussi la production et de l'encadrer par l'État. À un moment donné, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie qui fait qu'en France, on a le régime le plus prohibitionniste d'Europe, ça c'est sûr, peut-être même du monde. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de travailler à une loi qui vient encadrer la production. Voilà la réalité de ce qui se passe notamment aux Pays-Bas. Et là-bas, il y a beaucoup moins de fumeurs en proportion de la population, y compris chez les jeunes. Et il y a beaucoup moins de délinquance et on est en train de fermer des prisons parce qu'on est en train de les vider. Alors vous voyez, Madame Le Pen, peut-être que ça vous ferait pas de mal. Et voilà, nous sommes de retour pour vous jouer des mauvais tours. Oui, bon, voilà. Donc, ouais. Non, mais c'est sûr que... Oui, Sta. Alors, ouais, t'as fait des émules. Tu te débrouilleras avec Simon. Ça l'a fait marrer. Il est... Voilà. Vous vous débrouillez. Donc, Macron, au début de la campagne, il était pour la légalisation. Au milieu de la campagne, moins, et à la fin, plus du tout. Il a rallié des gens qui ont promis de le faire élire, des gens de droite, hein, des policiers, des magistrats, etc. Donc, bah voilà. Servietsky, bah oui, Servietsky. Alors, on en est où? Il faut que j'aille voir s'il a le lemon truc. On en est où? Ah bah, je peux récolter. Vend 50 grammes d'eau sportive pour au moins 18$. Alors, comment on fait? Sportif. C'est quoi ça? Ah, Super Lemon. Donc 18. Hop. Et ça y est, j'appuie dessus? Comme d'habitude, de la reggae. Mais j'en ai plus, là. Une plante n'a pas été semée. Oui. Donc on va remettre bah, les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire, là? Ah oui, tu peux varier les prix. Ça, si c'est des habitués. Non, ça change rien en fait. Seuil de prix, 18$. D'accord, ok. Bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est compliqué, mais... Sur la célèbre affaire du coup de com' de Macron à travers la collaboration avec McCliff et Carlito, eh ben, bah moi je pense que c'est pas con, enfin de sa part, pour essayer de faire croire qu'il est cool. Mais en fait c'est comme Attal là avec son truc, son live Twitch. En fait je crois que ceux qui en sortent gagnants et ceux qui en sortent gagnants de l'opération, c'est surtout les influenceurs qui sont là. J'ai pas l'impression que les autres ont gagné quelque chose. Macron se fait passer pour un cool, mais enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Ah, c'est rigolo, ça fait des articles, hein. Mais enfin, je suis pas sûr que ça pèse très lourd. Après, peut-être que je me trompe, hein. Fais pousser ta weed. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Lieu. Développer, installation. Entretien des plantes, vente. Onglet de vente, les groupes sociaux, les machins. Ok. Après, on peut avoir des employés et tout. Eh ben, dis donc.
est-ce que je peux développer l'activité 3500? C'est ça qu'il faut faire. Ah bah zut, non j'ai merdé. Ah mais en fait faut cliquer sur les pots, personne me dit rien. Ben voilà. Terre pauvre, bon, pas trop de choix. Et ben voilà, j'ai arrêté. Ah mais vous me dites rien quoi. Ah la lumière est pas assez... Qu'est-ce qu'il faut faire? Éclairage amélioré. Acheter l'éclairage. Là, c'est vrai qu'il faut récolter. Allez, on va produire un petit peu, là, les loulous. Ça y est, là, c'est l'usine. Je sais plus ce que j'ai mis, quoi. Bon, bah... Je pense qu'il faut remettre une régie, c'est ça? Un petit peu. C'est quoi ça? Ah oui, développer l'activité. Bah finalement, c'était pas bête ce que je viens de faire. La taille des plantes accélère leur croissance, maintient et relâche un bon moment. Bien. Parfait. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment, c'est ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? Un arrosage régulier améliore la qualité d'une plante et la gain condition de culture et nutrition. C'est un peu un truc de zozo quand même. On dirait les jeux sur le téléphone où faut tout le temps cliquer, faut collecter machin et tout. Non? Vous pouvez pas? En plus j'appuie, je sais pas, c'est pas ce que je dois faire. Y'a pas un arrosage automatique là? Chiant leur truc. C'est dommage que vous puissiez pas m'aider sur le chat là. On en prend chacun une et puis quelqu'un qui clique, moi je mets de l'eau, moi je mets de l'eau, et là qui coupe, oh, moi je coupe, moi je coupe. Merci Marty Watch. C'est cool. Et on est combien là? On est 100. Moi je vois 128, mais je crois qu'on est un petit peu plus. Je vois un petit décalage. Oui, c'est pour accélérer en fait, d'accord, ok. C'est vraiment... Bon, alors attendez, on va regarder parce que là j'ai dû en... Combien j'ai? 138 grammes, 202 grammes. Mais avec ça, on va faire Flores. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Des clients veulent acheter ton produit. Oui, de la Reggie, bah tiens. Ah, c'est un sportif ça? Elle est bonne, mais la qualité laisse à désirer. Au moins, elle ne coûte pas cher. Faut savoir. En plus, les gens ils se plaignent. Non, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Des SDF veulent acheter ton produit. 1200. Ah, oui, mais ça monte vite là. On est quand même dans le cliché du SDF qui veut acheter une canette ou de la weed, quoi. Bon, moi, je dis juste que l'objectif de plus aucun SDF de Emmanuel Macron, c'est quand même vachement raté. Et que ça sera un objectif politique qu'on va faire très vite en arrivant au pouvoir. Enfin, dans les premières mesures. Ouais, j'ai vu qu'il y avait David... David. C'est un jeu de farmer. Bah ouais, je sais bien. Que la barbe un peu plus longue et taillée te rendait tellement beau.
Bah là, elle est bien. Trop courte là. Ah, plus longue et taillée. Ouais, mais j'ai pas eu que des retours positifs. Et du coup, à la maison, ça a été tranché quoi. Pas ma barbe, hein. Enfin, si, en quelque sorte. C'est vraiment un jeu pour des gens posés, quoi. Ce qui peut se comprendre. Alors, chambre de culture. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Dis donc, il y en a des clics. J'imagine qu'il y a un intérêt quand même à cliquer sur ces machins-là plutôt que d'attendre. De mettre juste le jeu en accéléré. Parce que là, j'ai mis jouer en mode tranquille, mais je pense qu'il y a des trucs genre des maladies, des pidules, ou la police et tout ça, et que du coup, il y a un intérêt à ce que ça pousse vite. Après, il y a un intérêt capitalistique, évident. Non, je joue pas à CSGO. Non. J'y joue un petit peu, mais... Je me fais headshot tout le temps, donc. Puis là, j'attends qu'il y ait Watch Dogs Legion en online. Peut-être qu'on fera des parties, si vous voulez. Parce que j'ai fini le jeu en mode histoire. Ah, j'ai acheté GTA V. Il y avait une promo, je sais pas quoi. Donc, on pourra faire du GTA RP. Il paraît que c'est bien. Moi, je comprends rien. Bon, voilà. Au début, je voulais pas faire des GTA Online parce que c'est pas la ligne que de braquer des trucs, de buter des gens. C'est quand même pas le modèle de société que nous voulons. Et donc, quand t'es député et que tu joues à ça, ça peut paraître quand même un peu décalé. Alors, certes, c'est rigolo de jouer. Alors, à LoL, en plus, j'étais bronze 1. Je suis redescendu en bronze 2. J'ai fait des parties de. Alors, en plus, c'est même pas. Enfin, moi, j'ai fait des bonnes parties, mais quand vous êtes des coéquipiers en carton pâte, qu'est-ce que je veux que vous dise, moi? Ah, le bronze, c'est vraiment. C'est dur, quoi. Enfin, je vais remettre un peu. C'est la nouvelle saison. Alors, mais en fait, c'est sans fin, du coup. Ok. En fait, ça fait des médailles quand je mets de l'eau, c'est ça? Je comprends rien. Qualité. Chaque fois que tu arroses. Ok. Ah, donc en fait, faut pas trop la couper et beaucoup l'arroser. Couper, ça fait gagner du temps, mais quand t'as pas de problème de temps, il vaut mieux. Hop, nous y voilà. Et on peut voir la liste des clients? Comment on fait? Je comprends rien. Parce que là, je clique, mais je peux refuser de vendre. Ah oui, je fais la petite croix. Gagne 7 500 $. Boum! Pop, pop, pop! Secours en route. Tu t'es dit que c'était ce business, c'était d'organiser le boulot des autres, pas d'aller au charbon en personne. Si tu avais pu te douter, enfin c'est cool de récolter les fruits d'un travail honnête, même s'il est illégal. On est encore dans l'illégalité pour l'instant. C'est pas bien, les gens. On avait dit, on fait pas de trucs illégaux. C'est quoi? Northern Lights. Indica. Ah tiens, c'était que de la sativa qu'on avait tout à l'heure? Je sais plus, je me souviens plus. Défi, une imitation personnalisée de Sarko. Bon, maintenant que Sarkozy est condamné, il est temps d'utiliser ça. Bah oui, mais Limon, qu'est-ce que tu veux? Une imitation personnalisée, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? De toute façon, là, il est 20h04. Va falloir y aller. On essaiera de faire un truc sur la légalisation, un peu moins jeu, là, c'était les décès de jouer, mais avec Bénédicte et avec d'autres gens. Moi, j'ai découvert pas mal de gens dans les auditions, là, qui sont vraiment sympas, ont plein de choses à raconter, des profs de droit, donc on réfléchit au sujet. Bon, on va pouvoir faire un truc intéressant.
T'es pas obligé de jouer un gangster, tu peux jouer le bon flic ou autre, c'est choisir ce que tu veux incarner en jeu. Ok, bah on verra ça alors. Que de bons souvenirs de Bohan. Alors, désolé de vous dire ça les jeunes, mais vous êtes mal. Le bruit court que les mecs de Sean Brush rendent en ville, ils pourraient venir marcher sur vos plates-bandes et niveau qualité, ils vous explosent. On peut se débarrasser d'eux, bah non. Tu connais le coin? Qu'est-ce que tu proposes? Ça va jamais marcher avec ces mecs qui vendent un meilleur stuff juste à côté. Il vous faut une herbe de qualité spéciale au moins. Ça devrait faire l'affaire. Comment on améliore la qualité? Comment on peut faire pour améliorer la qualité de l'herbe? Il faut jouer sur le NPK. La qualité dépend des apports d'engrais au substrat. Il faut équilibrer les niveaux d'azote N, de phosphore P et de potassium K. Pour la super lemonade, j'étais sur 7 en azote, 1 en phosphore, mais je n'ai jamais réussi à doser parfaitement le potassium. Joue sur ça, tu verras ce qui marche. Ok, j'ai rien compris. Moi, j'étais meilleur en physique qu'en chimie. Hein. Nouvelle entrée dans le manuel. Bon, ça a l'air bien sympa en tout cas. Bien, je chill. En mode détente avec des missions et tout. Bon, là, c'était en mode découverte. Vous avez compris un peu le principe du jeu. Moi aussi. Comme ça, moi, je pourrais jouer tranquillou dans le train en allant à l'Assemblée. Pour voir un peu dans le jeu. Affecter emplacement. Allez, chambre de culture, c'est parti. Du coup, c'est le moment de changer. Ah non, d'accord. Il a dit quoi? Quelqu'un a retenu ce qu'il a dit? Sept en azote, c'est ça? Étudier les conditions optimales. Recherche insuffisante. Comment on fait des recherches? Bon, pour l'instant, on va pas en faire. Bon, j'ai rien retenu. Hein. 7-1. 1 phosphore. Appliqué à toutes les plantes, bah oui. Et K, bah bon, on touche pas quoi. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Je devais pas m'entraîner à un autre jeu avant. C'est à toi de trouver en testant. Ah ouais, alors du coup. Attendez. Parce que je peux régler différemment les plans, c'est ça? Donc là, je peux mettre 5, ok. On plante. Là, je peux mettre, je sais pas, 3. Là, on va le finir. Là, on va le changer. On va mettre 7. Voilà. Et là, on met 10. Là, c'est la règle. Zut. C'est là que je devais changer. Bon, je comprends rien, c'est compliqué. Bon, alors, à mon avis, il faut passer un peu de temps sur le jeu pour bien aimer. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit raid, qu'on se quitte là-dessus. C'était sympa. J'aurais aimé que ce soit plus long, mais l'actualité m'appelle, les régionales m'appellent, le repas m'appelle. C'était cool. J'aurais découvert ce petit jeu sympa. Et je vous invite à suivre, du coup, la mission d'information ne devrait pas trop tarder à rendre ses conclusions. On va suivre ça de très près et nous ça nous permettra de
Bah, de redire qu'on est pour la légalisation et pourquoi et comment. On va intégrer ça. Alors, je vais faire un peu de spoil, mais il y aura la niche Liberté et Territoire. Jean-Michel Lambert prévoit de remettre sa proposition de loi qu'on a co-signée sur la légalisation du cannabis. Ce sera un premier élément. Je crois qu'ils font ça en avril. En mai, nous, on a une niche parlementaire. On fera une PPL pour lutter contre les trafics de stupes. Et donc, ça comprend la légalisation et puis de renforcer les moyens de police judiciaire et de dissoudre la BAC. Eh ouais! Par exemple, et on expliquera ça tout bien pourquoi on veut tout ça. Puis voilà, après nous, il y a notre proposition de loi cadre sur la sécurité, entre autres, qu'on fait avec Daniel Obono pour l'été, qui incorporera tous ces éléments. Ça fait beaucoup, hein ? RDR, surtout les RDR. Ouais, on va réfléchir. Alors, on n'a pas parlé production, mais le chanvre, en plus, ça a des intérêts, c'est que la tige et les feuilles et tout, vous pouvez en faire des vêtements, des cordes, si vous voulez faire de la méthanisation, enfin il y a plein de, il y a moyen de trouver une forme de circularisation, de circularité de la production. Bon, c'était bien sympa. Je vais vous mettre juste l'image de fin et on fait le raid. Alors on raid qui d'ailleurs ? Usul ou David ? Il est encore en direct, David ? Parce que Usul, il a son public, hein. On le connaît bien, le camarade Usul. Mais David, il se lance, donc c'est peut-être bien d'aider David. Non ? Ou alors c'est pas terrible ce qu'il fait ce soir, enfin, vous me dites, hein, mais... Attendez, je vais checker vite fait quand même. Twitch. Twitch TV. Bah oui, David, ça me semble bien, ça me semble une bonne idée. Parce que Usu, il a 1000 personnes. David, il a 122 personnes. Allez, on va raid David. Ah, il est avec Sarah Massoud. Bah ouais, bah oui, on va parler justice, mais on va faire les copains. Alors, on va les raid. Ça fait un peu... Hugo Bert de Léchi vous a raid. Ouais, je sais pas, on verra s'il a les alertes raid. Bah, on va voir. Surprise, les gens. Dave Duff. C'est parti. Allez, je vous mets l'écran de fin. Bisous les gens. Ciao. C'était cool. Au plaisir. Bye.